On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, donc je viens de recevoir mes 80 palettes, donc elles sont là, donc je vais vous montrer. Donc là voilà, j'ai les 80 palettes, alors ça s'étend jusqu'au fond. On voit pas très très bien, mais ça s'étend vraiment jusqu'au fond. Voilà, donc il y a 80 palettes, un petit peu plus je crois, genre 82, un truc comme ça. Donc voilà, donc on va aller les poser dessus, et puis voilà, donc c'est parti. Les gars, on va balayer un petit peu le terrain. Hop, genre... Tout ce qu'il y a là, alors on va l'enlever. On va essayer genre de faire ça un petit peu plus droit, puis on va foutre les palettes dessus. Donc j'ai fait le plancher de la box, voilà, donc c'est pas super super haut, ça arrive ouais, hanche, niveau des hanches. Bon, allez, c'est reparti. Du coup c'est reparti, donc je vais mettre un dernier étage, je pense. Je vais mettre un peu de terre et voilà. J'ai mis trois étages de palettes pour le rappel. J'ai mis de la terre ici, tout le dessus. Voilà, donc ça fait le bas plein de terre, trois étages de palettes que je vais remplir de terre, et après je mettrai du béton dessus, et après je ferai la pelle ici, tout là. Donc voilà, pour l'instant ça donne ça, c'est assez propre, donc je suis vraiment content. Là où il va y avoir le U. Et là, toute la terre qu'il y avait là, là, je les ai décalés pour le mettre dessus. Yo tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Comme vous avez vu dans le début de la vidéo, bon voilà, donc voilà, j'ai continué ma box, j'ai continué le terrain, mais j'ai pas filmé parce qu'en fait j'ai remarqué que la première vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez vu, vous pouvez voir, je vous
vous mets le lien dans la description. Mais si vous l'avez déjà vu, c'est un petit peu barbant, hein, c'est un petit peu chiant, hein, on va pas se le cacher. Donc 10 minutes de vidéo pour montrer, donc je casse la box et je la refais, patati patata. Et entre-temps, j'ai changé d'avis, donc il y a eu des modifications en plus, patati patata, ça m'a fait perdre un peu de temps, c'est pas grave. Mais du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pas filmé ce que j'ai fait, mais ouais, ce que j'ai fait. Donc là, je viens de faire la courbe en fait, j'ai fait la courbe en terre, j'ai pas fait avec les planches parce qu'en fait, j'ai pas assez d'argent et j'ai pas trop le temps de les couper, de les faire couper et tout, donc. Pour la courbe, tout ça, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'argent, donc du coup, j'ai fait tout en terre. Donc voilà, ça fait une courbe assez raide. Donc là, je viens de la finir, je l'ai mouillée, j'ai donné sa forme et tout. Donc demain, si elle est sèche, je la tasserai encore un peu et je mettrai de la terre sèche dessus. Bon, on verra ça, voilà. Dessus, j'ai enlevé une couche de palette, en fait, parce que ça faisait vraiment trop haut. Et puis, comme vous voyez, là, j'ai mis toute la terre qu'il y avait là. Donc du coup, j'aurais jamais eu assez de terre. Donc du coup là c'est suffisant pour le moment, après j'irai creuser mais c'est assez chiant d'aller creuser. Alors ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Bah, pareil pour le rappel en fait de la box, j'ai enlevé une couche de palette. Et toutes les palettes qui me restaient en fait j'ai donné en gros là où il va y avoir mon U. Et si jamais j'ai pas le U, bah, je le ferai avec les palettes qui sont là, donc ça donne ça pour le moment. Donc là ça fait le U, donc là il y aura une courbe peut-être, une courbe là, le plancher, une autre courbe. Et du coup le truc arrivera là, enfin bref voilà. Donc attendez, je tourne la vidéo, je tourne la caméra pour que vous voyez mieux. Donc voilà, donc là comme vous voyez c'est un petit peu encore le bordel. Là en fait c'est arrivé jusqu'à là. Et en fait j'ai enlevé une couche de palette et du coup ben, le rappel est légèrement plus raide. C'est légèrement plus raide mais ça sera pas gênant. Donc c'est bien, puis ça me fait gagner de la place, ça va me faire gagner un peu de terre. Donc du coup j'ai pu mettre un peu de terre dessus, là j'ai déjà caché une palette. Je vais continuer en creusant ben, sûrement demain du coup. Donc voilà, donc le U ça donne ça. Enfin la forme en fait c'est la forme de là où sera le U si je l'ai. Genre je laisserai le plancher qu'il y a là, là. Je le laisserai. Et je poserai le U si je l'ai dessus. Comme ça ben, il prendra pas trop l'eau. Et puis je ferai des courbes ici en terre ou en bois, on verra bien. Et si je l'ai pas, ben, j'irai acheter des planches et je ferai les courbes avec les planches dedans, comme ça, ben voilà. Puis j'achèterai des planches pour faire un plancher vraiment droit, sans trous, sans rien. Comme ça, on pourra skater, faire du BMX, faire de la trottinette, enfin tout ça quoi. Et donc là, dessus, il manquera juste à mettre de la terre, à aplatir, pour que ça soit vraiment droit. Parce que comme vous voyez, c'est pas super droit. Et voilà. Donc voilà, il y a eu un petit peu beaucoup de blabla, mais c'était pour vous expliquer pour la suite de la vidéo. Et donc voilà, j'ai encore tout ça à utiliser comme planche. Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je sais pas du tout ce que ça va être, mais voilà. Aujourd'hui, les gars, on va essayer de remplir tout ça de terre pour faire le rappel. Comme ça, après, je vais pouvoir monter sur le dessus de la box et remplir le dessus de la box de terre. Donc aujourd'hui, on va essayer au moins de faire cette partie-là. Faire cette petite partie-là, on va essayer de la remplir au maximum de terre. Parce que là, il fait 25 degrés, il fait assez chaud. Donc voilà. Donc on va aller creuser un peu plus loin et puis je vais ramener la terre là. Et puis je vous montrerai une fois que ce sera quasiment fini. Enfin, dès que j'arrête à la fin de la journée, je vous montre ce que ça donne, comment j'ai avancé. Donc voilà. Voilà les gars, j'ai commencé à mettre de la terre dessus la box. J'ai mis un tuyau pour faire pour qu'on s'envoie en fait, pour décoller. Et pour l'instant le rappel ça donne ça pour l'instant. Faudra combler les trous et voilà. Bon les gars, la box est presque finie. Voilà, donc là j'ai fait la courbe, je l'ai tassé avec le vélo. Et le dessus, voilà, j'ai fait tout ça de le dessus, donc je vais vous montrer un petit peu de plus près. Et j'ai fait tout ça en trois petites après-midi. Donc regardez. Il restera juste là à faire aujourd'hui.
Elle doit... Elle est là, là. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est presque fini. Donc là, il y a un collègue qui va venir m'aider. Et normalement, ce soir, c'est fini. Donc voilà. Après, il manquera juste le U. Et puis, on va dire, le petit skatepark sera fini, quoi. Ah oui, et aussi, j'essaierai de retaper ce quarter parce qu'il est un petit peu vieux et usé. Mais je le referai pas. Mais je vais essayer de rajouter un peu de terre dessus pour que ça soit un petit peu plus propre. Donc voilà. Donc je vous montre après dès que c'est fini. Donc voilà les amis, la box est maintenant terminée. Voilà, donc là juste ici il y avait un tuyau, mais en fait je l'ai enlevé parce que il tenait pas trop et puis la terre s'enlevait. Donc je vous montre un petit peu de plus près qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai fait un appel un peu raide pour bien décoller. Du coup j'ai fait un arrondi là parce que je trouve qu'on décolle mieux. Sur le dessus j'ai mis de la terre, j'ai comblé les trous. Et sur la redescente, donc il reste quelques trucs à combler avec de la terre, mais je le ferai un peu plus tard parce que là il fait chaud et la terre est un peu dure, donc c'est galère. Je le ferai plus tard parce que elle est roulable là. Donc du coup voilà, la box est maintenant terminée. Il y aura juste le virage vite fait à nettoyer. Le U, quand j'aurai de l'argent ou si... on me donne un U, je le mettrai là, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo du coup. Et il y a le quarter là-bas que je referai sûrement, mais plus tard aussi, parce que comme il est raide, on peut pas mettre de terre dessus. Il faut la porter, du coup c'est assez galère. Donc du coup voilà ce que ça donne. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'aura plu, que t'auras vu l'évolution de la box, comment elle était avant et comment elle est maintenant. Je vais mettre quelques clips que j'ai fait juste avant de la finir où je l'essaye avec le vélo et voilà, donc tu peux liker et t'abonner et puis je te dis à plus pour de prochaines vidéos. Peace!